vivre, car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse riche qu'elle fait le secret dont sa plainte pour les Juifs. Et voici ce secret. Le Christ est en vous. Lui est en qui s'est concentré l'espérance de la gloire à venir. Le chapitre 2, verset 6 et 7 dit aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des jeunes unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute vos vies, toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce que Dieu en veut à assommer. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreux prières de reconnaissance. Amen. Nous avons reçu cette espérance glorieuse. Jésus vit en nous. Nous devons continuer à vivre en lui, enracinant-nous en lui, construisant toute notre vie sur lui, et nous devons rester de plus en plus ferme dans la foi. Tu connais bon dans cette chanson, nous avons besoin de Jésus tout en nous. Quand nous nous rappelons tout ce qu'il a fait pour nous, il nous a sauvés, il nous a libérés du péché et de la mort, il nous a donné une nouvelle vie et un espoir pour l'avenir. Nos cœurs débordent de reconnaissance. Chantons Jésus tout en moi et faisons de ces mots notre prière. Chassons avec nous. Thank you.